إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد chers et sœurs, nous revoici donc un nouveau cours, des cours de la sira, de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم, intitulé donc leçon tiré de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nous avions la semaine dernière, à titre de rappel, nous avions parlé de l'état de la Mecque avant la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu que la Mecque à son origine n'existait pas, c'était une vallée aride, donc sans eau, sans agriculture. Et le prophète Ibrahim alayhi salam, comme nous l'avons découvert ensemble la semaine dernière, reçut l'ordre d'y laisser sa famille, sa petite famille, à savoir son épouse, comment s'appelle son épouse? Hajar. Son épouse Hajar et son nourrisson, donc son petit bébé, donc Ismaïl, de les laisser là, avec comme provision des dattes et une jarre d'eau. Donc une jarre d'eau, donc une très grande cruche d'eau, ce sont les seules provisions qu'ils avaient. Et nous avons vu comment cette femme, cette honorable femme, cette pieuse femme et vertueuse femme qui était donc Hajar, a été prise de panique parce que arrivée à court d'eau et de dattes et n'ayant plus de lait dans son sein pour nourrir donc son fils Ismaïl dans un désert aride non habité, elle a pris panique, elle a été prise de panique et s'est mise à courir entre deux monts en grimpant chaque fois chacun de celui-ci et en jetant un coup d'œil sur l'horizon, espérant trouver une source d'eau ou du moins une peuplade ou des gens qui puissent lui venir en secours. Et après sept tours, entre ces deux monts, qui seront connus plus tard sous le nom du mont des monts de Safa et Marwa, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par clémence pour cette femme, soumise à Dieu avant tout, ensuite obéissante à son mari car elle a accepté de vivre ou de rester dans cette plaine désertique, dans cette vallée désertique, Allah azza wa jalla fit jaillir, alaykoum salam, Allah subhanahu wa ta'ala fit jaillir donc la source de Zamzam. Et depuis lors, nous commémorons cet événement à travers le rituel du pèlerinage de la Umra aussi, en faisant donc les sept tours. Les sept tours qui marquent bien sûr qui est très symbolique pour nous, bon c'est un acte d'adoration, c'est clair, mais c'est aussi une symbolique qui nous renvoie au récit d'Ibrahim alayhi salam et de sa femme, de son épouse Hajar, qui fut patiente, persévérante et résignée, soumise à son créateur subhanahu wa ta'ala. En toute confiance, Allah subhanahu wa ta'ala, après l'avoir éprouvée, lui accorda donc cette source d'eau. Et nous avons vu que là, qu'il y avait une caravane commerciale appartenant à une tribu dénommée la tribu de Jurhum qui était de passage. Et ils ont vu de loin la source d'eau. Cette caravane s'est arrêtée auprès de la source d'eau, y trouvant une femme seule avec un enfant ou avec un nourrisson, Ismaïl, alayhi salam. Ils vont demander, donc cette caravane plutôt va demander l'autorisation et va solliciter l'accord de Hajar afin de résider auprès d'elle, afin d'être son voisin pour pouvoir profiter de l'eau. Et bien sûr, Hajar, n'étant pas bête,
Et voyant très très loin, elle accepte une condition. La condition, c'est que c'est qu'elle ait le monopole complet et exclusif de la source d'eau Zamzam. Parce qu'il y a toujours le risque que cette caravane s'empare de l'eau, l'eau qui est vitale, qui est d'ailleurs jusqu'à maintenant un enjeu stratégique très important, qui font en sorte que les nations sont souvent en conflit entre elles à cause de l'eau. Et d'ailleurs aujourd'hui, au Moyen-Orient particulièrement, l'eau est un enjeu vital et stratégique. Et c'est pour cette raison qu'elle a compris et qu'elle a visé très très loin en disant « J'accepte une condition, c'est que je garde le monopole sur l'eau. Vous ne pouvez utiliser l'eau qu'avec mon accord. » Et bien sûr, cette tribu, dans le besoin, accepta. Et il y a aussi ici, comme je l'ai souligné lors du cours passé, précédent, il y a une indication intéressante dans le domaine des sciences humaines. On retrouve ici l'application pratique. C'est que généralement, les collectivités humaines naissent là où il y a un moyen de survie, où il y a une terre agricole, où il y a de l'eau, parce que ces collectivités naissantes ont besoin de cette eau pour vivre, pour s'abreuver certes, pour abreuver leurs bêtes et pour aussi irriguer leur champ. Alors cette caravane appartenant à la tribu de Jurhum, comme je l'ai indiqué, s'installe auprès du puits de Zamzam. Donc quelque part elle se sédentarise alors qu'elle était nomade. Et le petit garçon ou ce nourrisson Ismaïl va grandir auprès de cette caravane ou de cette tribu, si vous voulez, installée donc là-bas à la Mecque, dans cette vallée. Et il va se marier donc de cette tribu, Jurhum. Et ainsi donc, petit à petit, cette vallée qui était désertique, inhabitée, si ce n'est par Hajar et son nourrisson, la voici devenue une cité naissante et grandissante. Des familles se constituent. Une résidence s'installe pour les différentes familles, les différents clans de cette tribu, et donc Jurhum, bien entendu, va finir par contrôler donc la région, ou plutôt la zone. Et subhanallah, chose assez étonnante, c'est que l'eau, la source d'eau de Zamzam restera un monopole chez les descendants d'Ismaïl alayhi salam jusqu'à la veille de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on a dit la fois passée, que Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le contrôle du puits, et lorsqu'il voulait le recreuser pour le réaménager, les autres clans mekkois, Quraishites particulièrement, lui disputèrent ce droit en lui disant non, c'est trop facile, nous aussi on va avoir un droit, on est aussi des Arabes, on est aussi Quraishites, on est aussi Amérites, on veut aussi avoir un droit sur cette eau. Il ne leur dit pas question. Alors ces différents clans sont partis voir une voyante pour lui demander, regardez quelle référence, pour lui demander donc d'arbitrer. Et avant d'arriver chez elle, subhanallah, biqadarillah, par destin divin, ce puits de Zamzam s'épuise, il sèche, brusquement, sans aucune explication. Alors l'égoïsme s'installe, l'égoïsme qui est la source de beaucoup de conflits entre nations et collectivités. C'est là que les autres clans Quraishites, lorsqu'ils ont vu qu'Abdul Muttalib n'a plus d'eau, parce que sa source de Zamzam est sèche, ils refusent de partager leur eau, leur provision d'eau qu'ils ont avec eux, que ces clans ont avec eux. Ils refusent de le partager avec donc Abdul Muttalib. Abdul Muttalib se résigne à son sort et au destin divin et s'apprête bien sûr à mourir et à périr, lui et sa famille et son clan, parce qu'ils n'ont plus d'eau, et on leur a fait un boycott et un embargo quant à l'approvisionnement en eau. Là, regardez, vous comprenez ici, quant au fait que l'eau est un atout stratégique et vital, et qu'on peut affamer et détruire des nations juste en la privant d'eau. Alors ainsi donc, pour revenir un peu à ce que nous disions, Jurhum malheureusement, qui aura donc la maîtrise et la mainmise sur la Mecque, ne va pas préserver totalement donc la sécurité et la stabilité de la cité. Elle sera renversée et chassée par un homme qui va mener une guerre contre Jurhum. Lorsqu'il verra comment la Mecque fut pervertie, fut corrompue, fut déstabilisée par la corruption, par la régression morale, il va mener une guerre contre eux, il va les chasser de là,
Et cet homme s'appelle donc Tha'laba ibn Amr ibn Amir. Cet homme-là, bien sûr, avait l'air d'être désintéressé quant au pouvoir, ça ne l'intéressait pas. Il va la confier, ou plutôt il va confier la gestion de la ville à un autre personnage, ou plutôt à un autre clan tribal qui s'appelle Khuza'a. Khuza'a va, selon les historiens, va diriger la ville selon, je dis bien certaines sources historiques, entre 300 et 500 ans. Mais même Khuza'a aussi ne sera pas à la hauteur de la mission. Elle aussi va manifester des signes de faiblesse et la corruption s'installe à nouveau jusqu'à ce que fasse parler de lui. Qui se souvient de ce personnage qui va faire parler de lui? Qusay. Ouais, Qusay, barakallahu fik. Qusay ibn Kilab, c'est un Qurayshite. Il va voir les différentes familles de Quraysh dispersées, il va les réunir tous ensemble. Et part en guerre contre qui? Contre donc Khuza'a. Il faut savoir une chose, c'est que les guerres civiles et les guerres intertribales à l'époque, c'était monnaie courante dans l'Arabie. Nous l'avons expliqué lorsque nous avons parlé de l'Arabie et de l'attitude des grandes puissances voisines, perses et byzantines, qui ne s'intéressaient pas du tout à coloniser l'Arabie parce que c'était une région instable. Ils préféraient garder les côtes qui étaient des emplacements stratégiques pour contrôler la navigation marchande. Par contre, l'intérieur du pays ou l'intérieur de la péninsule n'était pas intéressé pour les deux raisons que nous avons évoquées. Il n'y a pas d'agriculture, c'est un territoire désertique. Et deuxièmement, les Arabes étaient indomptables à leur époque. Pour la moindre des choses, la guerre éclate entre eux très facilement. Donc, Qusay ibn Kilab va battre Khuza'a et l'a chassé et l'a détrôné de la Mecque suite à un arbitrage proposé par plusieurs tribus qui vont finir par accorder le droit exclusif à Qusay ibn Kilab de diriger donc la Mecque. Qusay ibn Kilab, on peut, alors que c'est un polythéisme mouchrik, mais malgré tout on peut dire qu'il est entré dans l'histoire par la grande porte. C'était un grand homme d'État. Et nous, en tant que musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un mizan, une balance. Nous devons reconnaître à chacun ses mérites, même s'il n'est pas musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Que l'adversité que vous avez pour des jeunes ne vous interdise pas de vous montrer équitable envers eux. Soyez équitable, car ceci est plus proche de la piété, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme, malgré le fait qu'il est dans l'égarement, c'est un polythéiste, et bien malgré tout, c'était un grand homme d'État. C'était une grosse pointure. C'était un chef charismatique. Il avait du charisme, de l'autorité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va structurer la Mecque. Et par souci de stabilité, c'est un fin stratège, il voit très très loin. Et il va distribuer les postes et les tâches administratives. C'est une première en Arabie d'ailleurs qui ne connaît pas d'État, si ce n'est quelques villes qui vont imiter d'ailleurs la Mecque. Il va distribuer les tâches administratives. Il va confier deux tâches qui sont les plus nobles de toutes les tâches administratives au clan du prophète, à le clan familial de Banu Hashim. Et quelles sont ces deux tâches administratives? Qui se souvient de ces deux tâches administratives? Comment les appelle-t-on? En arabe? As-siqaya. As-siqaya, c'est le fait de, lorsque le pèlerin, chaque année, les Arabes viennent en pèlerinage à la Mecque. Bien sûr, ce n'est pas le pèlerinage d'Ibrahim a.s. C'est un pèlerinage polythéiste païen. Il y avait quelques vestiges du pèlerinage d'Ibrahim a.s. Mais le reste était complètement déformé et donc et altéré. Donc, le clan du prophète a.s., le clan familial du prophète sallam Banu Hashim avait pour mission d'abreuver, de servir l'eau trempée avec des raisins secs, qui était une boisson très charriée, très recherchée par les Arabes, de donner ça aux pèlerins qui sont assoiffés, et aussi al-rifada. Et al-rifada, c'était une autre fonction rattachée au rituel du pèlerinage, c'est la chose la plus noble d'ailleurs, qui était de nourrir les pèlerins, de leur donner de quoi manger, un repas, de leur offrir un repas dans le cadre du pèlerinage. Chers frères et sœurs, nous avions fait donc cet aperçu historique quant à la Mecque, avant, bien sûr, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la Mecque, depuis lors, a acquis un prestige et une autorité qui vraiment n'ont pas d'égal. Pourquoi? Parce que c'est devenu une cité non seulement de paix, de sécurité, mais aussi de prospérité.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous apporte le témoignage de ce fait dans deux sourates, ou plutôt dans la sourate particulièrement sourate Quraysh. Li ila fi Quraysh ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf. En raison du pacte que Quraysh avait et de leurs deux voyages, le premier en Syrie en été et le deuxième au Yémen en hiver, et on a expliqué la raison pourquoi dans les cours passés. Et donc il y avait une prospérité, sans oublier que les Mekwa, les Quraychites, avaient organisé donc des alliances stratégiques avec des tribus extérieures à la Mecque pour sécuriser les routes afin que ces caravanes puissent aller jusqu'en Syrie Yémen sans être exposées aux pillages et aux attaques des brigands. Et bien sûr, l'événement fatidique dans l'histoire de la Mecque, critique même, c'est l'événement de l'éléphant, avec Abraha comme héros dans l'histoire, ou comme semblant de héros, parce qu'il n'est pas vraiment héros, qui va essayer donc de s'emparer de la Mecque, mais plus que cela, de détruire la Kaaba par jalousie, lorsque, suite à son projet, qu'il a d'ailleurs exécuté, de bâtir une église, une immense église à Sana'a, au Yémen, et d'attirer les pèlerins arabes vers là-bas, et de les détourner de la Mecque. Et on a vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a déjoué son plan lorsqu'il est venu avec cet immense éléphant mammouth et une troupe imposante, et au point que les Quraychites ont baissé les bras et s'apprêtent à quitter la ville. Et c'est là que les Mekwa Quraychites polythéistes ont vu de leurs propres yeux cette vague ou ces vagues d'oiseaux portant des pierres, donc les déverser sur l'armée donc d'Abraha, de la détruire. Et cette année-là même, Mohammed sallam est né. Et on a vu aussi, chers frères et sœurs, que le prophète Mohammed sallam est né dans la meilleure famille, le meilleur clan familial. Et d'ailleurs même, il a parlé de lui-même, de ses origines, qui remontent jusqu'à Ismaïl alayhi salam. Et il a bien précisé, lorsqu'il dit, Allah a choisi la tribu de Kinana parmi les enfants d'Ismaïl, et il a choisi Quraysh de Kinana, et de Quraysh, il choisit Banu Hashim, et il me choisit de Banu Hashim. Regardez l'ordre donc de descendance, une descendance très noble, et c'est ce que va confirmer Abu Sufyan aussi, lorsqu'il ira rencontrer Héracle, l'empereur de Byzance, byzantin, romain, chrétien, qui était un homme chrétien, donc profondément convaincu, et lorsqu'il interrogera au sujet de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Abu Sufyan dira ce qu'il en est, et qu'il lui demandera « Qu'en est-il de son rang familial parmi vous ?» Il dira « Huwa fina dhu sha'n » C'est quelqu'un qui occupe parmi nous un très haut rang familial. On ne peut pas le contester. Et c'est là que dira Héraclius, c'est un chrétien qui témoigne ici, il témoignera en faveur de Mohammed en disant « Il en est de même pour les prophètes et messagers, ils ont tous été envoyés et sont tous issus de milieux nobles et de rangs donc familiaux, donc très élevés et renommés. » Nous avions brièvement et assez timidement commencé la semaine dernière la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'avais donné un petit aperçu très rapide de sa naissance, et j'avais aussi entre-temps cité son ascendance pour ceux et celles qui se souviennent. Un aperçu un peu plus détaillé quant à sa naissance et au contexte familial duquel il est issu. Son père s'appelle Abdullah, il a un grand-père qui s'appelle Abdelmuttalib, il a un oncle qui s'appelle Abu Talib, et il a une mère qui s'appelle Amina. Voilà les personnages clés de sa vie, son entourage familial. Bien entendu, il ne connaîtra pas son père, car son père mourra alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Par contre, il va connaître les autres, sa mère Amina, son grand-père Abdelmuttalib, ce personnage important, et son oncle Abu Talib, tous des personnages importants. Ils ont tous joué un rôle clé dans les débuts de sa vie et de son enfance. Salawat Rabbi wa salam alayhi. On surnomma le prophète sallam Ibn Dhabihi, le fils des deux sacrifices, et on sait pourquoi. Le grand-père du prophète sallam Abdul Muttalib, il fit un vœu, une promesse à Dieu, en disant, si Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde 10 garçons, j'en sacrifierai un pour lui. Un.
et il lui a donné 10 garçons. Et lorsqu'il lui donna 10 garçons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais faire un tirage au sort. Parce qu'il y en a 10, c'est lequel dans les 10? Il va faire un tirage au sort et sortira qui du lot? Abdallah, le père du prophète. Cependant, Abdallah était l'enfant le plus aimé, le plus chéri d'Abdul Muttalib. Alors il a eu du mal à accepter. Comment je vais faire? Je vais sacrifier? Alors que c'est mon fils le plus préféré? Allez, bonus, je vais recommencer. Et il a refait un tirage au sort entre son fils Abdallah et son chameau. Sans. Et le, attention, le destin divin, il est déjà tracé depuis longtemps. Al-Qadr ilahi, ça ne sert à rien, chers frères et sœurs, de se battre contre le destin. Cela ne sert à rien de précipiter les choses. Le destin, nous on agit, c'est clair, j'ai demandé d'agir. On ne doit pas aller dormir dans son coin en disant, mais c'est bon, tout est maktoub, tout est tracé, quand je me casse la tête. Je vais me reposer, j'attends que tout tombe dessus. Non, non. Tu dois agir, agis. Mais sache que les résultats de ton action, elles sont déjà annoncées, déjà prévues, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil ici, regardez, il est politiste, Abdul Muttalib. Il a fait sacrifier son fils, Abdullah. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a, entre guillemets, quelque part, poussé et orienté à ce qu'il refasse un tirage au sort. Et dans ce tirage au sort, ce seront les 100 chameaux qui seront sacrifiés, et pas le père, Abdullah. Car s'il avait été sacrifié, Mohammed n'aurait jamais vu le jour. Et ça, c'est tout à fait contraire au destin divin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous? Alors, c'est pour cette raison qu'on appelle Ibn al-Dhabihin, le fils des deux sacrifices. Le premier étant celui d'Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl. Quand il a failli le sacrifier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَنَدَيْنَاهُ أَنْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Et après وَفَدَيْنَاهُ بِكَبْشٍ عَظِيمٍ. Ô Ibrahim, certes tu as cru en le songe qu'on t'a révélé, et maintenant que tu as cru en le message ou en le songe et que tu t'es engagé, eh bien nous te donnons en contrepartie, en compensation, au lieu de sacrifier ton fils, on te donne donc une bête, un mouton, donc assez imposant afin que tu puisses le sacrifier. Et Mohammed pareil, ou plutôt Abdullah pareil, il a failli être sacrifié par son père et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Nous n'avons pas vraiment de détails quant au mariage de Abdullah, ni non plus quant à sa vie. Le père du prophète, on ne sait rien sur lui. On sait bon qu'il est issu d'un milieu noble, certes, le clan de Banu Hashim, mais plus que cela, nous ne savons rien. Comment a-t-il grandi? Comment a-t-il vécu? On ne sait pas. Tout comme son mariage avec Amina, on n'a pas beaucoup de détails quant à son mariage. Tout ce qu'on sait, c'est que cet homme simple et humble et modeste qui était Abdullah, tout comme tout son clan d'ailleurs, Banu Hashim, il a épousé Amina. Et il y a des récits malheureusement qui ne sont pas fondés et qui sont contestés sur le plan de l'authenticité, qui disent que certaines femmes le convoitaient Abdullah. Et il y a plusieurs versions concernant donc ces récits non fondés. Je rappelle, certains de ceux-ci disent que cette femme était une prostituée, d'autres disent que c'était une voyante, d'autres disent encore que c'était une seconde femme ou une prétendue seconde femme donc de Abdullah. Ceci dit, soi-disant selon ce récit, que ces femmes l'auraient convoitée pour elles-mêmes et que Abdullah préférait la fidélité envers son épouse Amina. Il revenait chez sa femme et lorsqu'il revut, soi-disant toujours selon ces mêmes récits, lorsqu'il revut cette même femme prostituée ou voyante ou autre, elle aurait vu donc la fameuse lumière qu'elle aurait vue dans ses yeux auparavant. Depuis qu'il est retourné chez Amina, cette lumière aurait disparu. Malheureusement, ce genre de récit assez fantaisiste, et dont le but c'est vraiment de créer une certaine ambiance de magnificence, d'essayer de faire une chose grandiose, d'entourer la naissance du prophète par des récits assez impressionnants, assez comment dirais-je, légendaires. Tout ça malheureusement ne tient pas la route. C'est tout à fait en tout cas contesté quant au plan de l'authenticité. Donc comme nous disions, Abdullah mourut en laissant
son épouse enceinte, enceinte de Mohammed. Et sa naissance fut d'ailleurs accompagnée par un signe miraculeux particulier, car il y a d'autres signes qui ont été cités et qui malheureusement ne sont pas fondés. Parmi les signes qu'on prétend qui se sont manifestés démontrant la naissance d'un élu qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit que son accouchement aurait été simple et léger. On dit aussi qu'Amina aurait vu en songe une bonne nouvelle, lui annonçant la place sublime de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui demandant et l'incitant de l'appeler Mohammed. Aussi, on relate aussi qu'il serait né, donc circoncis, ou encore qu'en venant au monde, il avait ses deux mains, il reposait sur ses deux mains et sa tête levée vers le ciel, ou encore que les fameux feux présents chez les Mazdéens, les Perses, parce que les Perses, comme vous le savez, nous l'avons vu dans notre introduction, les Perses adoraient le feu, c'était une divinité, que ces fameux feux se seraient éteints, et bien d'autres signes qu'on relate qui malheureusement ne sont pas du tout fondés, pas du tout authentiques. Le seul signe qui se dégage et qui est attesté et authentifié, c'est que la mère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Amina, en mettant au monde Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le mettant au monde, elle a vu cette lumière se dégager lors de l'accouchement et éclairer toute la zone jusqu'au palais de Bousra. Bousra, c'est une ville en Syrie, à ne pas confondre avec Bassora. Bassora, c'est une ville irakienne qui porte jusqu'à maintenant le même nom. En arabe, on l'appelle Bassora. En français, Bassora. Bousra, c'est une ville syrienne. Et donc, elle aurait vu donc, les palais de Bousra grâce à cette lumière. Et elle a compris, Amina, elle comprit de suite que cet enfant qu'il vient de mettre au monde, alaykoum salam, n'était pas un enfant singulier, ordinaire, et que certainement il aura un avenir radieux par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète est né un lundi. Là, il y a unanimité. Quant au mois, il y a aussi accord dessus. Il est né le mois de Rabi al-Awwal. Rabi al-Awwal, c'est le troisième mois du calendrier lunaire, calendrier islamique. C'est quoi le premier mois du calendrier islamique? Muharram. D'accord. Deuxième? Allez, ceux qui connaissent le calendrier. Safar, avec l'Ofik. Donc, Muharram, Safar, et puis Rabi' al-Awwal. C'est le troisième mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à lundi du troisième mois, donc du calendrier donc lunaire, l'année de l'éléphant. Et ça, bien sûr, il y a aussi une unanimité là-dessus. Quant à la date exacte, les historiens la situent, et les biographes aussi, la situent plus ou moins entre donc, le 12 ou le 17. Il n'y a pas de date exacte. Nous n'avons pas de date exacte. D'ailleurs, même un savant renommé du nom de Al-Qastallani, dans son livre de biographie qui s'appelle Al-Mawahib Al-Ladouniya, il a cité la longue divergence existant entre les historiens quant à la date exacte de la naissance du prophète sallam. Il y a beaucoup d'avis. On parle du deuxième jour du mois, on parle du huitième, on parle du dixième, du douze, dix-sept, dix-huit, et il y en a d'autres. Donc il n'y a pas de date exacte précise quant à la naissance du prophète sallam. Je vais revenir sur ce point maintenant très rapidement. Et la naissance du prophète est attestée dans un hadith donc, qui est rapporté par Muslim, où le prophète sallam dit, parlant du jeûne, Siyam Yom al-Ithnain, il dit, c'est le jour où je suis né, et c'est le jour où je fus envoyé en tant que messager. Donc c'est le jour où je suis né, c'est le jour où je fus suscité en tant que messager. Je reviens sur ce point très rapidement. Nous sommes dans, donc, quelle est la date maintenant de Muharram? On est combien aujourd'hui dans la date du calendrier lunaire? On est 19, hein? On est 19. Donc, dans plus ou moins, entre guillemets, deux mois, il y aura de nouveau une grande pagaille qui va naître et se susciter quant à la fameuse question. Et ça, nous avons, chaque année, il y a des familles
qui nous contacte pour nous poser la question, devons-nous célébrer donc la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et par rapport à ça, il est clair qu'il n'y a pas de célébration, c'est tout à fait exclu pour plusieurs raisons. Premièrement, pouvons-nous nous comparer aux meilleurs des générations de l'islam, les compagnons, les tabi'in, tabi'a tabi'in? Apporte que ceux et celles qui disent et qui avancent la thèse selon laquelle on peut célébrer la naissance du prophète sallam, qui nous apporte un exemple d'un compagnon ou d'un tabi'i qui sont les meilleures générations d'islam qui auraient célébré ou qui auraient appelé au minimum ceux qui sont autour de lui à célébrer ce jour. Il n'y a pas. Par contre, ce que nous savons, c'est que cette célébration est tout à fait étrangère à l'islam, elle nous vient des chrétiens, qui, comme vous le savez, chaque année célèbrent la naissance donc de Isa alayhi salam, Jésus. Et même selon certains historiens, même cette fameuse fête que font les chrétiens, elle-même a des origines païennes, remontant à l'époque de l'État romain, bien avant Isa alayhi salam. Et donc, le premier à avoir institué officiellement, entre guillemets, la célébration de la naissance du prophète sallam, c'est un dirigeant chiite appartenant à la dynastie Fatimide, dont il serait beaucoup plus précis de dénommer Ubaydite, car ils n'ont rien à voir avec Fatima radiallahu anha, l'Ubaydite, et c'est un dirigeant du nom de Al-Hakim bi Amrillah au Caire, qui a pour la première fois institué de façon officielle la célébration des siècles plus tard, on situe ça plus ou moins au 5e siècle ou 6e siècle donc de l'Hégire. Regardez combien de siècles sont passés. C'est là que a été instituée pour la première fois la célébration donc de la naissance du prophète. Bien sûr, ceux qui célèbrent, bien sûr, doivent chercher des arguments, sinon comment ils vont faire, comment ils vont justifier ça? En deux mots, parce que c'est pas vraiment le sujet du cours, pour justifier la célébration entre guillemets de la naissance du prophète, ils disent nous avons une preuve flagrante, c'est le hadith que je viens de citer rapporté par Muslim, où le prophète sallam dit, lorsqu'on l'a interrogé quant au jeûne du lundi, il dit, c'est le jour où je suis né et c'est le jour où je fus suscité en tant que messager. Voilà une preuve que le prophète célébrait ce jour pour lui-même. D'abord, il faut savoir qu'il y a c'est contradictoire sur deux plans. Premièrement, ici on ne parle pas de fête, on parle de jeûne. Secondo, dans un mois, il y a quatre lundis, il n'y en a pas un seul. Donc ça veut dire que si maintenant on devait suivre la lettre, la logique même de ce hadith, on devrait, selon cette orientation, on devrait célébrer la naissance du prophète chaque lundi. Donc chaque lundi jusqu'à la fin de l'année, on devrait célébrer la naissance du prophète, on ne s'en sortirait plus. Donc c'est pas possible. D'accord? Aussi, que soi-disant, donc Abu Lahab, et ça c'est très grave, Abu Lahab, son châtiment sera allégé parce que justement il a concouru à honorer le prophète sallam par rapport à la aqiqa, à son baptême entre guillemets, et donc tout ça par honneur pour lui, donc ça c'est encore une preuve soi-disant qu'on doit célébrer ce jour. Ce qui est certain, chers frères et sœurs, c'est que tous ces arguments donc évoqués, aucun ne tient vraiment la route, et on reste sur le fondement même. Si sa famille Ahlul Bayt, si ses compagnons ne l'ont jamais célébré, c'est la preuve que ça n'existe pas. Et encore plus lorsqu'on sait que c'est venu bien plus tard sous influence chrétienne. Donc c'est tout à fait exclu, il n'y a pas de célébration donc de la naissance du prophète sallam. Et ils disent aussi, ouais, nous on ne célèbre pas, juste on essaie de se rappeler de lui. On parle de lui, de sa biographie, de ses mérites, mais ça c'est toute l'année qu'il faut le faire. Donc pendant toute l'année on l'oublie. Pendant toute l'année, on oublie le prophète sallam. Et mashallah, une fois par an, le 12 de Rabi al-Awwal, on se réunit et on commence à se rappeler de lui. C'est illogique. Le rappel, al-dhikra, le rappel du prophète sallam s'illustre avant tout par le suivi fidèle de ses enseignements. Chaque sunna que tu pratiques au quotidien, chaque comportement que tu adoptes à travers lequel tu t'alignes sur le prophète sallam, chaque ribada, chaque acte de piété, de dévotion
à travers lequel tu prends l'exemple sur le prophète sallam, et ben c'est chaque fois un rappel pour toi au quotidien de Mohammed sallam, il ne faut pas attendre une fois par an. Sans oublier les munkarat, les choses répréhensibles qui se passent durant ce fameux 12 de la Rabiul Awwal, et d'ailleurs sans vous inviter, vous n'avez qu'à voir lorsque le jour viendra en parcourant donc les chaînes satellitaires ce que font les gens comme catastrophe. Ils prétendent soi-disant célébrer la naissance entre guillemets du prophète sallam, et c'est vraiment le tambour, la musique, la danse, hommes et femmes, tout mélangé, et c'est les repas, la nourriture avec le gaspillage qui suit sans limite. Ça n'a absolument rien à voir, et vraiment rien à voir avec ce qui était enseigné. Et si c'était le cas, ben, les premiers musulmans auraient été les pionniers en la matière, ce qui n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de célébration donc, de la naissance du prophète sallam. C'est un acte tout à fait innové et étranger à la voie prophétique. Donc le prophète sallam a été donc, circoncis, bien entendu, comme l'habitude, comme le voulait l'habitude de l'usage donc, des Arabes. Et il faut savoir une chose, chers frères et sœurs, c'est que l'usage à l'époque voulait que ce soit le si vous voulez, le plus âgé de la famille, le plus honorable, c'est lui qui est appelé donc à procéder à la circoncision du nouveau-né. Et dans ce cas-ci, dans ce cas présent, c'était donc Abdul Muttalib, qui était le plus honorable du clan de Banu Hashim. C'est lui qui va donc procéder à la circoncision du prophète sallam. Bon, on n'a pas de source précise dans la matière, mais l'usage connu est une preuve en soi pour attester de cela. Le prophète sallam a grandi orphelin. Même le Coran l'atteste. Dans la sourate du jour montant, au verset 6, « Alam yajidka yatiman fa'awa » Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin ? Alors, il t'a accueilli. Et nous pouvons tirer de nombreuses leçons, chers frères et sœurs, quant à ce statut social et familial qui était propre au prophète sallam dans son enfance. Et bien sûr, ce statut démontre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala va entourer Muhammad sallam, cet enfant. Il va l'entourer d'attention et de bienveillance. La première des leçons que nous pouvons tirer, c'est que son père est décédé, d'accord, le laissant dans le ventre de sa mère. Il sera ensuite élevé par Abdul Muttalib, après par Abu Talib. Ceci est amplement suffisant pour barrer la route à ceux qui seraient tentés de prétendre que Mohammed, appartenant au clan de Banu Hashim, l'un des clans les plus prestigieux de la Mecque, cherchait le pouvoir et cherchait à s'imposer à la Mecque en prétendant la prophétie, et que son père et son grand-père l'auraient préparé pour, entre guillemets, s'imposer par une prétendue prophétie. Ça, c'est impossible. Abdullah, son père, est mort, donc il ne l'a jamais connu. Son grand-père, c'est un gosse, qu'est-ce qu'il va lui apprendre? Son oncle, Abu Talib, c'est un homme vieillissant. Donc, c'est pas possible. Ça, c'est une chose. L'autre leçon, c'est qu'il y a dans son statut d'orphelin, le statut d'orphelin du prophète, un exemple à donner à tous les orphelins du monde. Qu'être orphelin n'est pas un mal en soi. Ce n'est pas un défaut. Loin de là. Et Mohammed en est la preuve et l'exemple. Et troisième leçon qu'on peut tirer, chers frères et sœurs, c'est de rappeler que grâce à ce statut d'orphelin, le prophète Mohammed a grandi avec un cœur rempli de clémence et de compassion, de rahma, de shafaqa pour les plus faibles, pour les pauvres, pour les opprimés, parce qu'il sait ce que c'est. Moi, je peux vous parler, moi j'ai des parents, vous en avez aussi, je peux vous parler matin et soir de ce qu'est un orphelin. Mais si je vous ramène quelqu'un qui est orphelin et qui vous parle, ce ne sera pas la même chose. Car il ne parlera pas de sa langue, ce sera son cœur qui parlera en premier lieu, car il a vécu, il sait ce que c'est. Eh bien, Mohammed sallam en était un exemple vivant. Grâce à ce statut, il sera vraiment
Rahma lil alamin. Il sera vraiment une clémence pour l'humanité grâce à ça. Et grâce à d'autres qualités, bien sûr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner et accorder. Alors l'usage voulait que la mère, ou plutôt les mamans, les mères, laissaient leurs enfants, leur nouveau-né, le laissaient à la campagne, afin qu'ils puissent respirer l'air frais, qu'ils puissent être loin du bruit de la ville, qu'ils puissent aussi apprendre à l'état pur la langue arabe, et qu'ils puissent aussi apprendre à être un peu autonome, même en étant petit garçon, apprendre à être un peu autonome, et non pas être toujours derrière sa mère, fils à papa, comme on dit, comme c'est le cas aujourd'hui, où on a malheureusement aujourd'hui des jeunes, wallahi. On a des jeunes aujourd'hui, le jour où ils se marient, il ne sait rien faire. Il ne sait ni faire des courses, ni aller à la commune extraire un acte de naissance. Wallah. Il ne sait rien faire. Ça peut paraître amusant ce que je dis, mais wallah, c'est la vérité. Il y a encore longtemps, comme jusqu'à maintenant, des jeunes, des frères, qui le jour où ils se marient, il revient frapper à la porte de son père en lui disant « Papa, dis-moi comment il faut faire pour aller à la commune, pour faire ceci, pour l'assurance, pour cela, etc. » Il ne sait pas. Et ça, quelquefois, c'est l'erreur aussi des parents eux-mêmes, qui ont tout fait par eux-mêmes, et ils laissaient leurs enfants, qui, mashallah, sont devenus pratiquement des adultes, ils les laissent comme ça, donc, sans aucune préparation à être des gens responsables dans la société. Et bien ici, le prophète Mohammed sallam, le fait d'être loin de sa mère, être en contact avec d'autres enfants, cette fameuse maternelle, mais celle-là, elle est meilleure que la maternelle des écoles aujourd'hui, hein, ça n'a rien à voir. Celle-là, elle est meilleure, cette maternelle ici. À l'air pur, loin de la ville, allaitée par des nourrices. Et non seulement il y a un travail de socialisation qui est fait à travers cette rencontre d'autres enfants avec lesquels il va jouer, enfant, parce qu'il va jouer aussi. À travers tout ça, il s'épanouit. Et je me souviens d'ailleurs d'un frère en passant. Excusez-moi. Je me souviens d'un frère. J'avais été un jour lui rendre visite. Et vous allez comprendre l'importance pour un enfant de rencontrer d'autres enfants. Et j'avais été donc lui rendre visite. Et il a deux charmantes filles, ce frère. Alors je lui ai dit, ramène-moi tes filles pour que je puisse pardon, les saluer, les voir. Alors il ramène ses deux filles. Déjà pour les rentrer dans la pièce, c'était vraiment le combat de titan. Les deux filles ne voulaient pas entrer dans la pièce. Et lorsqu'il les a fait rentrer dans la pièce, à peine j'ai vu leur tendre la main pour les saluer, toutes les deux se sont mis à crier et hurler. Et elles sont sorties en courant. Moi j'ai directement compris. Et le frère, machallah, c'est un frère très très actif, très occupé, et je lui pose la question, je fais cher frère, tes deux charmantes petites filles, dis-moi la vérité, est-ce qu'elles ont l'occasion de rencontrer d'autres enfants? Il me dit non, pas vraiment. Il me dit moi-même je suis très occupé, j'ai pas beaucoup de temps, donc les enfants généralement ils sont à la maison avec leurs jouets, leur mère, c'est pas, le fait de leur donner des jouets c'est pas suffisant, cher frère, il faut qu'ils rencontrent d'autres enfants, qu'ils soient confrontés à d'autres enfants, qu'ils marquent leur petite personnalité. C'est très important ça. Regardez, personne adulte, et elle a peur. Elles ont peur. Et sans oublier que, pas dans le cas de ce frère-là, mais j'en connais aussi d'autres cas, où un enfant qui ne sortait jamais était confronté à un autre enfant. Il avait l'impression d'avoir affaire à un martien extraterrestre. Wallahi, cet enfant-là qui ne sortait jamais, regardez-le, des grands yeux, la bouche ouverte, regarde de la tête jusqu'au pied. Il est bouleversé. Et ça, c'est une erreur, ça. Donc, il faut qu'il rencontre d'autres enfants. Il faut qu'il marque leur petite personnalité. Et aussi, c'est prouvé maintenant chez les psychopédagogues. Il y a des enfants qui ont du retard au niveau du langage. Et c'est dû entre autres à ça. Parce que ces enfants-là ne rencontrent pas d'autres enfants. Donc, comment voulez-vous qu'ils s'exercent à capter des mots, à commencer à imiter les autres dans leur façon de parler et petit à petit développer le langage. Donc, la campagne de Bani Sa'd était l'endroit idéal pour que ces enfants puissent s'épanouir. Et comme je l'ai aussi précisé dans un cours passé,
ces endroits étendus où il n'y a pas de limite sont les meilleurs endroits pour que ces enfants puissent s'épanouir sur le plan moral, physique avant tout, moral, psychique et mental. Et d'ailleurs, c'était le cas de tous ces enfants, contrairement à ce qui est le cas maintenant des appartements où c'est un peu serré, où l'enfant n'a pas d'espace, parce qu'il y a une relation entre l'être et l'espace. Il n'a pas beaucoup d'espace pour jouer et s'amuser. Et je vous ai donné l'exemple d'ailleurs la fois passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, un enfant qui à la maison tombe, il se fait un petit bobo au pied, ou à la jambe, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Il vient en courant chez son père ou sa mère pour pleurer. Mais par contre, vous le mettez avec d'autres enfants, dans un parc ou un jardin ou un espace, il se met à courir, il tombe, et bien voilà, croyez-moi qu'il ne fera même pas attention. Il ne fera même pas attention à sa petite blessure, il va se relever, il va continuer à courir. Parce qu'il est, il est dans son espace et il a besoin de ça. Donc, telle était la finalité, chers frères et sœurs, pour lesquelles les parents à l'époque mettaient leurs enfants là-bas. Un premier événement va se passer. Et en passant donc à l'âge de 4 ans, un premier événement donc se passera. C'est la fente de la poitrine du prophète Sallam. Le prophète Sallam joue avec d'autres enfants de son âge. Ce charmant petit garçon s'amuse. Et voilà que Jibril arrive. Bien sûr, il arrive sous la forme humaine. Il le saisit, il le met à terre, il lui ouvre sa poitrine, il lui sort son cœur, lui retire un morceau, donc, ou un caillou de sang, et lui dit, ça c'est la part de Satan en toi. Et ensuite il le recoue et le laisse en bas. Les enfants qui étaient présents, qui ont été témoins, et ce hadith est authentique, et c'est Anas ibn Malik qui le rapporte, Anas ibn Malik qui a vécu 10 ans dans la demeure prophétique à Médine, et qui était au service de la demeure prophétique, et on y reviendra, eh bien, que s'est-il passé suite à cela? Les enfants accourèrent vers la nourrice. Il y en avait plusieurs, entre autres Thouaïba, mais la principale c'était Halima Saadiya, qui était très attachée à lui d'ailleurs. Elle était très attachée à Mohammed, pour plusieurs raisons. Entre autres parce qu'il est orphelin. En plus du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à ce petit garçon un charme et une beauté. Et dans le prophète plus tard était un bel homme. Et donc tout ça a fait qu'elle s'est très vite attachée affectivement à cet enfant qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les enfants accourèrent pour avertir donc la nourrice Halima Saadiya que malheur était arrivé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il serait mort. Alors elle vint en courant et elle le trouva par terre. La couleur de son visage avait changé. Il était perturbé. Et cette femme, ne voulant plus prendre de risques, et malgré elle, et avec beaucoup d'amertume, le ramena auprès de sa mère. Elle ne veut plus prendre de risques lorsqu'elle a vu ce qui s'est passé. Et de Anas ibn Malik dit, lui-même le dit, il dit, j'ai vu la trace de la couture sur la poitrine du prophète Hassan. Je l'ai vu, il dit, je l'ai vu de mes propres yeux. Et ça démontre que ce que le prophète lui racontait n'était pas un mensonge. Et comment le prophète pourrait-il mentir alors qu'il passait et qu'il était à la Mecque et qu'on le surnommait As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq le véridique, al-Amin, l'homme de confiance. Laisse-lui n'importe quel secret, fais-lui n'importe quelle confidence et ne t'inquiète pas pour le reste. Eh bien ici, chers frères et sœurs, suite à cet événement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaîtra pas et jamais les tentations de Satan que nous connaissons aujourd'hui et en tout temps. Et d'ailleurs, il le dira lui-même plus tard. Il dira que chacun d'entre nous a à ses côtés un Satan qui l'influence. Ils lui ont dit, « Wa anta ya Rasulallah, et toi ?» Il dit, « Wa ana kadhalik. Illa anna Allah qad a'anani alayhi fa aslam, fala ya'muruni illa bi khayr. » Il dit, moi aussi j'en ai après moi. À part que Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé à le maîtriser, il s'est converti à l'islam et il ne m'ordonne que du bien. Voilà, c'est Amanou, c'est autre chose. Nous aujourd'hui, le problème, il est où? Le problème, chers frères et sœurs, c'est que Satan aujourd'hui, quand on parle de Satan, Shaitan, Wallah, il y a des êtres humains qui sont pires que Shaitan. Il y a des êtres humains qui sont pires que Satan. Et comme disait un pieux prédécesseur, il disait que jadis, Satan
enseigné les méfaits aux hommes, et aujourd'hui c'est lui qui apprend d'eux les méfaits. C'est lui qui apprend, c'est lui qui élève. Parce que l'homme a dépassé des limites, il a franchi, surtout encore pire aujourd'hui, il a franchi des limites inimaginables. Et donc, tout ça pour vous dire que le prophète est à l'abri des influences de Satan, et il ne peut en aucun cas donc l'inspirer, ce qui n'est pas le cas de nous, car nous avons été créés pour être éprouvés. Nous avons été créés pour être éprouvés. Éprouvés dans nos comportements, dans notre foi, dans notre adoration, dans nos relations, à travers le destin, etc. D'accord ? Cet événement, bien entendu, chers frères et sœurs, va se répéter plus tard. Cet événement qui est la fente de la poitrine du prophète se répétera une deuxième fois plus tard, et ce, lors d'un événement très important à la Mecque qui sera ce qu'on appelle le voyage nocturne, l'Isra, et l'ascension, l'Miraj, et nous y reviendrons, Inch'Allah Ta'ala. Alors, il y a une très grande signification, chers frères et sœurs, quant à la purification, quant à la fente de la poitrine du prophète sallam. Il y a une très grande signification que nous pouvons dégager de ce fait divers critique qui s'est passé alors qu'il est enfant. Il s'agit ici de purifier son cœur, de le purifier, de le rendre limpide, pur, afin de le préparer lentement, petit à petit, pas à pas, à ce qu'il puisse demain recevoir la révélation. Il ne faut pas qu'il ait dans son cœur comme le nôtre il est rempli de tout. Il est rempli de shahawa, de tension, de passion plutôt, de tentation. Non, le sien il est pur. Il ressemble à ce verre de cristal. Le verre de cristal, vous pouvez le tourner dans n'importe quelle direction que vous voulez, il est toujours le même. Il est toujours transparent, limpide. Pareil pour le cœur du prophète sallam. Tel un verre de cristal, il est enfin prêt à recevoir dans un état de pureté la révélation, et ainsi donc va s'installer sa relation avec le sacré, et qui n'est autre que le wahy, la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Et d'ailleurs Allah fait allusion à ça dans la sourate, l'ouverture sourate, donc Alam nashrah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na dhikrak. Regardez ce que ici, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau, c'est tout. Plus jamais il connaîtra de tentation. Il ne sera plus un homme ordinaire parmi les autres. À partir de maintenant, à partir de 4 ans, il est l'élu. Mais l'élu en préparation, on le prépare à sa future mission. Donc il sera ramené auprès de sa mère, il restera 2 ans avec sa mère. Et la voici, elle aussi qui meurt. C'est dur ça. Jamais connaître son père. Il est mis à la campagne. Il revient chez sa mère. Il reste avec elle 2 ans. Il a 6 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que sa mère décède. N'est-ce pas difficile? Il passe d'une situation à une autre. Et ce vide affectif qui se crée va être comblé par qui? Par son grand-père Abdel Muttalib, qui va le prendre sous son aile, qui va s'occuper de lui comme son enfant, car il est très attaché à lui. Et là aussi, Abdel Muttalib ne vivra pas longtemps, 2 ans aussi. Et de nouveau, Mohammed sallam perd à nouveau un de ses proches les plus chers. Il a 8 ans. Et pour finir, ce sera son oncle Abu Talib qui le prendra en charge. Et Abu Talib, que nous allons voir plus tard, Inch'Allah, Abu Talib va connaître les débuts de la révélation et il va même y croire. Mais malheureusement, le poids du passé, le poids des croyances qui l'ont ancré, qui l'ont façonné plutôt, l'empêche de rejoindre Mohammed. C'est un vieil homme. Et pour changer la mentalité des vieux, il faut vraiment y aller. S'ils ont une idée en tête, vous pouvez remuer ces terres. Ce sera très difficile de la leur changer. Ben pareil, pour Abu Talib qui a vu de ses propres yeux la vérité descendre sur le messager, mais malgré tout,
Il savait que c'est la vérité, mais il n'arrivait pas à y adhérer. Voici donc Muhammad pris en charge par Abu Talib. Abu Talib qui va laisser Muhammad, il va le mélanger à ses enfants, parce qu'Abu Talib aussi a des enfants. Il entre autres celui qui deviendra plus tard, regardez le destin, subhanallah, il réserve des surprises, celui qui deviendra plus tard son gendre, son beau-fils. Ali. Bon, il est vrai que Ali, le prophète le connaîtra lorsqu'il sera un peu plus adulte, parce qu'Ali sera plus petit que lui, mais aussi Jafar et bien d'autres qui seront donc dans cet entourage familial. Et Abu Talib, sachant et comprenant le besoin qu'a Mohammed, il a besoin d'affection. Il a besoin beaucoup d'affection. Et ça, c'est le drame qu'il y a dans nos familles aujourd'hui. Si vous me permettez, mes chers frères et sœurs. Wallahi, il y a des parents qui ne comprennent plus leurs enfants. Et il y a des enfants qui ne comprennent plus leurs parents. La corde est coupée entre les parents et les enfants. Absence de dialogue. Absence d'affection. Où est cette mère? Subhanallah, cette mère qui, lorsque son enfant était petit, il commençait à peine à marcher, elle le serre dans ses bras, elle l'embrassait, le père pareil. Et comment ça se fait-il que cet enfant franchit les 5-6 ans et qu'il devient bruyant et qu'il devient perturbant? Et du coup, comme par hasard, une certaine routine s'installe. Et où sont ces baisers, ces câlins de la mère pour son enfant ou du père? Malheureusement, ils deviennent rares. Entourer son enfant d'affection, chers frères et sœurs, ce n'est pas moi qui vous le dira. Entourer son enfant d'affection, c'est lui donner la stabilité. Les parents, c'est sa première référence. Si les parents réussissent à gagner la confiance de leurs enfants, à leur donner l'amour et l'affection, à les entourer, à les écouter surtout. Parce qu'une fois j'ai parlé avec des parents, ils avaient un concept très bizarre de dialogue avec les enfants. Alors je disais à ses parents, est-ce qu'ils avaient un problème avec leur fils? Est-ce que vous communiquiez avec votre enfant? La mère directe tombe à la première. Elle me dit, oh, bien sûr qu'on communique. Quel est le contenu de la communication? Accrochez-vous bien. Le contenu de la communication, c'est lui donner des ordres. Va ranger ta chambre. Va faire les courses. Monte ceci, descends cela, range ceci, arrange cela, va t'asseoir là-bas, fais ceci, fais cela. Chère sœur, c'est pas une communication ça. Une communication, c'est que tu le mettes en face de toi et que tu le provoques afin qu'il se mette à parler. Il va dire des bêtises, il va dire n'importe quoi, il va s'amuser, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu l'écoutes. Et wallah, il y a beaucoup de parents qui, en fait, ils ne voient pas le temps filer. Il est né hier. Hier, il est né. Ils ouvrent leurs yeux, il a déjà 20 ans, 25 ans. Comment on va faire? Ce n'est pas à 20, 25 ans qu'on va commencer à l'éduquer, c'est trop tard à ce moment-là. Et les jours filent et défilent très rapidement, et on ne s'en rend pas compte. Alors, le fait de l'entourer d'affection, le fait de parler avec lui, de discuter, de l'écouter, non pas pour le réprimer, mais pour essayer de le comprendre. Et combien d'enfants ont fait des surprises à leurs parents? Et vous connaissez l'expression? Il faut se méfier de l'eau douce. L'eau qui stagne, qui est calme, il faut s'en méfier. Eh bien, il y a des parents qui ont des surprises. Ils avaient un enfant hyper calme, pas de problème avec lui. Et du jour au lendemain, il leur apporte un de ses malheurs auxquels ils ne s'y attendaient pas. Ils sont tombés des nues. Parce qu'en fait, c'est cet enfant, il entretenait des choses dans sa tête, des idées, des plans. Ça travaillait à l'intérieur. Mais les parents ne l'ont jamais remarqué. Ils ne l'ont jamais constaté. Et surtout, lorsqu'ils franchissent l'adolescence. La phase charnière, c'est l'adolescence. Si l'enfant réussit son adolescence, Inch'Allah, l'âge adulte sera plus facile. Mais s'il rate, tout le monde paiera les pots cassés. Lui, ses parents, ses frères et sœurs, mais aussi la communauté et la société au sens large du terme. Alors, entouré d'affection, chers frères et sœurs, son enfant, l'écouter, le comprendre, l'encourager, le valoriser, c'est très très important. Et faire attention à un phénomène aussi très dangereux, c'est surtout concernant les parents. J'ai connu le cas ici particulièrement,
d'une famille, ils avaient 4 filles et un garçon. Et en fait, la mère, vous imaginez le garçon, il a 19 ans, il se retrouve, il n'y a que des filles autour de lui. Donc, c'est ses sœurs, certes, c'est vrai, ce sont ses sœurs, mais il n'y a pas vraiment de... Il ne s'est pas partagé des choses avec elles. Parce qu'il y a toujours cette pudeur qui est là, qui est présente, alhamdoulilah, heureusement. Mais il y a des choses qu'il ne s'est pas partagé avec ses sœurs. C'est impossible. Et malheureusement, la mère, pas par mauvaise intention, mais elle a fait l'erreur de, sans le vouloir, de valoriser ses filles au détriment du garçon. Il s'est senti comme si on la met de côté. Et vu qu'il est en pleine adolescence, il a commencé à se rebeller. Et je peux vous garantir que la rébellion d'un adolescent, c'est la chose la plus difficile à supporter pour des parents qui ne dorment plus la nuit. Il a commencé à sortir et à revenir des heures tardives et n'écoutait plus ses parents. Eh bien, croyez-moi, chers frères et sœurs, j'ai eu l'occasion de parler avec ce jeune. Je l'ai pris à part, tête à tête. Il a vidé tout ce qu'il avait dans son cœur. Alhamdoulilah, j'ai compris. J'ai mis le doigt. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son aide, j'ai réussi à mettre le doigt sur la plaie. Les parents, ils me disent, mais il ne manque de rien, il a tout ce qu'il faut. Il a de l'argent de poche. Son père s'occupe de lui comme il faut. Il ne manque de rien. Il fait ses études. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Et en fait, il m'a avoué, il m'a dit, je me sens dans la famille marginalisé. Ma mère, elle parle qu'avec mes sœurs. Moi, c'est comme si je n'existais pas. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas supporter. En plus, je suis le seul garçon, il n'y a que des filles autour de moi. Donc, il me dit, vous imaginez que c'est très dur pour moi. Eh bien, faire attention à ce détail-là aussi. Le traitement équitable des enfants, et le prophète l'a d'ailleurs précisé à Bachir, le père de Nu'man, lorsque Bachir est venu avec son petit-fils Nu'man. Et il dit au prophète, je veux que tu sois témoin que j'ai donné à mon fils Nu'man tel et tel bien. Regardez la réponse du prophète. Le prophète, c'est un pédagogue. Il dira à Bachir, as-tu donné la même chose à tes autres enfants? Il a dit non. Eh bien, va chercher un autre témoin. Ce ne sera pas moi. Et c'est là que le prophète pose la question à Bachir, le père de Nu'man, en lui disant, voudrais-tu que tes enfants, au niveau de la piété filiale, au niveau de la bonté envers les parents, te traitent tous de la même façon? Il dit oui. Alors n'agis pas de cette sorte, parce que si tu favorises un par rapport aux autres, plus tard ça va se manifester et ça va se répercuter. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prie par son oncle Abu Talib et il deviendra même son ombre inséparable. Il ne le quittera plus, au point qu'il fera avec lui son premier voyage en Syrie. Il fera son premier voyage au Chin, en Syrie. Parce que son oncle était aussi était un modeste commerçant. C'était pas quelqu'un de très riche comme les autres, mais quoi. D'ailleurs, le clan de Banu Hashim était un clan, donc, alhamdoulilah, ils avaient de quoi vivre, mais c'était un clan assez noble par rapport aux autres. C'était pas un clan richissime comme les autres. Regardez, là aussi, il y a une hikma, il y a une sagesse. On peut pas dire après, on peut pas interpréter en disant que l'arrivée sur la scène publique du prophète en tant que prophète, c'est la vengeance ou la revanche d'un clan riche par rapport à un autre. Non, rien à voir. Il faisait partie d'un clan tout à fait noble, un clan familial tout à fait noble. Et donc, Abu Talib fait son voyage commercial en Syrie. Le prophète est avec lui, Mohammed. Il commence à grandir. Les narrations et les versions divergent quant à l'âge exact qu'il avait. Certains disent 9 ans, d'autres 10, d'autres disent 10. D'autres encore disent qu'il avait 12 ans. L'essentiel, c'est qu'on retienne de tout cela, c'est qu'il est au début de son adolescence. Regardez, subhanallah, comment Abu Talib le prend avec lui. Il le prend pour le responsabiliser, pour petit à petit l'entraîner, l'exercer à ce qu'il assume des responsabilités, à ce qu'il rencontre d'autres gens, d'autres personnes, à ce qu'il soit confronté à d'autres horizons. C'est pas simplement « je le prends avec moi pour qu'il me tienne compagnie ». Il y a plus que cela. Et donc, la ville exacte où ils vont se rendre, c'est Boussra, la fameuse Boussra dont a vu Amina les palais à travers cette lumière qui s'est dégagée d'elle lors de l'accouchement. Et là-bas, il va faire la rencontre
d'un moine, un chrétien qui s'appelle Bahira. Ce moine Bahira, lorsqu'il va voir arriver de loin la caravane commerciale de Quraysh, dans laquelle il y a Abu Talib et il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, adolescent, il va repérer les signes de l'élu. Il va repérer les signes de l'élu. Premièrement, il va voir qu'il y a un nuage qui le couvre dans un ciel ensoleillé. Il n'y a pas de brume. Il n'y a qu'un seul nuage qui surplombe la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul. Il va voir de loin. Secondo, à un moment donné, ils vont s'arrêter et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se mettre à l'ombre d'un arbre. Cet arbre va se pencher. Et plus que cela, les pierres, et c'est Bahira qui dit ça, les pierres et tout ce qui est sur le chemin se prosterneront pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va demander au chef de la caravane, il va leur proposer l'hospitalité, il va leur dire, venez chez moi, je vous offre le repas. Marquez une pause, on va manger ensemble. En fait, le but de Bahira, c'était quoi? C'était de voir de plus près cet enfant. Qui est cet enfant? Qui a un nuage qui surplombe sa tête? Qui est honoré par toutes ces créatures? Qui est cet enfant? Et lorsqu'il va le voir arriver, il va dire, voilà. Voilà le maître des mondes. Voilà le messager du Seigneur des mondes. Le voilà arrivé. Et il va voir en dessous de sa nuque, à la hauteur de ses épaules, il va voir le symbole de la prophétie. Et Bahira n'est pas le seul d'ailleurs, il y a d'autres compagnons qui l'ont vu de leurs propres yeux. Ils ont vu ce symbole, ce sigle qui ressemble un peu à un peu comme une sorte de pomme si vous voulez, une sorte de ventouse là en dessous. Et il va interroger en demandant qui est le tuteur de ce garçon, de ce jeune homme, de cet adolescent. On va lui dire c'est Abu Talib. Abu Talib ramène très vite cet enfant à la Mecque. Car je crains pour lui le danger. Je crains pour lui que malheur lui arrive. Il y a des gens qui veulent lui faire du tort, et ces gens ne sont autres que les Romains. Les Romains qui ont été avertis par certains gens du livre. Ils ont été avertis qu'il va y avoir un prophète qui va apparaître et qui va être suscité. Alors les Romains qui ne veulent pas que leur pouvoir et leur autorité soient menacées par un nouveau prophète, comme il était le cas avec Isa alayhi salam, eh bien, il va ordonner, donc Bahir ordonnera à Abu Talib de le renvoyer directement donc là-bas à la Mecque. Et c'est ce que va faire d'ailleurs, muni de provisions, accompagné de membres de la caravane, il va directement le ramener, illico presto, il va le ramener donc à la Mecque. Ça, ce récit que je vous ai relaté, c'est vraiment la version abrégée, parce qu'il y a, bon, il y a pas mal de détails, mais c'est la version la plus sûre, la plus fiable sur le plan des sources, et abrégée. Et malgré tout, ce récit a été, certains détails de ce récit, comme je vais vous le démontrer maintenant, ont été contestés par un savant très connu qui s'appelle Al-Zahabi, l'imam Al-Zahabi, qui est un grand savant du hadith, un traditionnaliste, qui a remis en question certains petits passages, et il n'a pas tellement tort d'un côté, certains petits passages de ce récit, en disant, oui mais ce récit nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été renvoyé à la Mecque avec deux personnes qui sont Abu Bakr et Bilal. L'imam Zahabi, c'est un savant critique. Il a l'esprit critique. Il soumet à analyse toutes les narrations et les versions de ses récits et de ses traditions, de ses hadiths. Il dira, mais comment est-ce possible? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment Muhammad est-il revenu à la Mecque avec Abu Bakr et Bilal? Abu Bakr a 10 ans de moins que le prophète sallam. Ici, le prophète en a 9, 10 et 12. Deuxièmement, Bilal n'était même pas encore né à cette époque-là. Comment cette narration, ce hadith, vous le retrouvez dans Tirmidhi? Dans le Sunan, dans le recueil de Tirmidhi, l'imam Tirmidhi, l'élève de Bukhari. Comment peut-on citer Abu Bakr et Bilal alors qu'il n'était même pas là, il n'existait même pas? Abu Bakr était probablement un bébé
et Bilal n'était même pas encore né. À partir de ça et de d'autres faits, l'imam al-Dhahabi va contester toute l'histoire. En réalité, nous dirons à l'imam al-Dhahabi, Rahimakallah, ya imam al-Dhahabi, que Dieu t'accorde la clémence. Tu as eu raison concernant Abu Bakr Bilal et d'autres muhaddithoun, d'autres traditionnalistes avant du hadith ont rejoint sur ta critique. Mais ces détails-là ne remettent pas en question le récit. Le récit dans son entièreté est tout à fait authentique, fondé, à part effectivement ce petit détail. Et d'ailleurs, ceux qui ont authentifié ce récit, parmi les grands savants de l'islam, les grands savants du hadith, je vais vous citer donc quelques-uns parmi eux, vous avez un savant dénommé Ibn Sayyid al-Nas. Ibn Sayyid al-Nas, qui est décédé en l'an 734 de l'Hégire. Vous avez aussi l'imam Ibn al-Qayyim, très connu, l'imam Ibn al-Qayyim, qui aussi authentifie le récit. Lui, il est mort en 751 de l'Hégire. Vous avez l'éminent traditionnaliste Ibn Hajar, qu'on a surnommé le commandeur du croyant du hadith, Amir al-Munif al-Hadith. C'était une référence incontournable à son époque dans le hadith, qui lui est mort en 852. Et aussi Ibn Kathir, que vous connaissez, qui est mort en 774. Et vous avez aussi, parmi les contemporains, donc le cheikh Mohammed Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah, qui aussi authentifie le récit dans son livre Sahih Sunan al-Tirmidhi, l'authentique du Sunan al-Tirmidhi. Il a démontré l'authenticité du récit, mais il a aussi remis en question, comme al-Dhahabi, ce petit passage qu'il y a à la fin, qui est une erreur d'un des narrateurs, certainement. D'accord. Bien sûr, on attribue au prophète Asselem un autre voyage, cette fois-ci dans une autre direction, au Yémen, mais malheureusement, les sources concernant ce voyage ne sont pas crédibles et ne sont pas fondées. Mohammed le berger, le voici qui grandit. Il va devenir berger. Subhanallah, quel noble métier. Être berger, ra'i al-ghanam. Aujourd'hui, on se moque, vous savez ça, aujourd'hui, dans la société moderne, on se moque des bergers. Mais wallahi, les bergers sont les gens les plus sages. Les bergers sont les gens les plus patients. Les bergers sont les gens les plus perspicaces. Les bergers sont ceux qui ont plus d'expérience de la vie. Que monsieur moderne, qui vit en société, dans le confort, le luxe, qui a tout ce qu'il faut demain, tu le prives de l'eau, il panique. Il ne trouve pas de pain à la boulangerie, c'est tout. Il perd les pédales. Alors que le berger, lui, c'est autre chose. Il est habitué à la patience, à la persévérance, à la dureté de la vie de tous les jours. Eh bien, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été berger, chers frères et sœurs. Et quel noble métier. Et lorsqu'il a été berger, bien sûr, c'est dans l'aide, dans le souci d'aider son oncle Abu Talib. Parce qu'Abu Talib, bon, il s'en sort difficilement financièrement. Eh bien, c'est dans le but de l'aider, de l'appuyer, de l'assister, qu'il s'est mis à travailler dans ce domaine-là, à savoir il est devenu berger. Et d'ailleurs, il a dit un jour, il n'y a pas un prophète, le prophète lui-même, ça, il me l'a dit un jour plus tard, il dira, il n'y a pas un prophète qui n'ait pas été berger. Ils lui ont dit, et toi, Muhammad, tu parles des autres, et toi, qu'en est-il? Il a dit, même moi. Je gardais les brebis et moutons des gens de Quraysh en échange de quelques sous. Ils me donnent en échange quelques sous, je leur garde leur troupeau. Et ces quelques sous, ils vont où? Ils vont directement chez Abu Talib. Directement. Il aidait. On peut tirer des leçons, chers frères et sœurs. Et je voudrais attirer votre attention quant à ces leçons très importantes, car il va y avoir un petit arrêt concernant ces leçons pour comparer avec aujourd'hui, avec nos jeunes d'aujourd'hui. Avec nos jeunes d'aujourd'hui. La première des leçons, c'est que dans ce métier, ou plutôt il y a dans ce noble métier un exercice bénéfique quant à sa future fonction, à son futur rôle. Vous savez, quand vous avez un troupeau, vous savez que même les bêtes, les animaux ont aussi leur petit caractère, leur petit tempérament. Vous avez des animaux qui sont dociles. Vous le poussez par là, vers la gauche, il va vers la gauche. Vers la droite, il va vers la droite. Arrête-toi, il s'arrête. Avance, il avance. Vous en avez d'autres. Vous pouvez frapper votre main contre la pierre, il n'écoute pas. Il y en a d'autres qui sont rebelles. Eh bien ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
exerce le métier de berger avec des moutons, des brebis, à tempérament différent, il doit gérer ce troupeau, l'orienter, ramener un dans les rangs, orienter par-ci, orienter par-là, tenir compte de leurs besoins, ça le prépare à son rôle futur, car demain, ce seront des hommes qui va diriger. Des hommes avec des caractères différents, des tempéraments différents. Abu Bakr, ce n'est pas Omar. Omar, ce n'est pas Ibn Abbas. Ibn Abbas, ce n'est pas Abu Huraira. Khadija, ce n'est pas Hafsa. Aisha, ce n'est pas Umm Salama. Habiba, ce n'est pas non plus Safiya. Tous des gens à caractère différent. Les gens que recevaient le prophète, ils recevaient qui? Ils ne recevaient pas que des gens bien éduqués. Ils recevaient des ignorants. Ils recevaient des bédouins qui n'ont aucune éducation, qui sont agressifs, arrogants, vulgaires. Et à chacun, de par son métier de berger, où il a déjà été formé, à chacun il donnait son droit, sa part. Il jonglait avec une maîtrise impressionnante. Il jonglait avec les tempéraments et les caractères. Et il donnait à chaque homme, à chaque femme, ce qu'il ou elle a besoin. Tout ça, bien sûr, c'est Allah qui lui a appris, subhanahu wa ta'ala. Mais il l'a aussi acquis par l'expérience de la vie et par l'exercice de ce métier important qui est celui donc de berger, qui le prépare à devenir demain le guide, pas seulement d'une communauté, mais de l'humanité tout entière. Aussi, ce noble métier, parmi les leçons qu'on peut tirer, c'est que ce noble métier reflète aussi la modestie qui caractérisait Mohammed. Généralement, ce métier à Al-Ghanam, même aujourd'hui dans les pays, dans beaucoup de pays du monde, et entre autres les pays musulmans, vous dites à quelqu'un, viens t'occuper d'un troupeau, il va vous rire à la figure, il va se moquer de vous, il va vous dire, les gens, ils ont déjà une voiture, ils ont des motos, ils sont sur internet, ils ont un contact avec l'espace, et toi tu me dis, viens t'occuper de moutons, de brebis, c'est quoi ça, tu me prends pour qui, pour un arriéré? C'est ça la réalité. Ils ne se rendent pas compte que, subhanallah, ce noble métier jusqu'à aujourd'hui est toujours noble. Est-ce que nous, on serait capable de nous occuper d'un troupeau? Ah, mais nous, c'est pas difficile. On jette le bâton, puis on s'en va. Ils vont dans la direction qu'ils veulent. Je m'en contrefiche. Je frappe avec mon bâton pour les faire rentrer dans les rangs et pour les orienter. Malgré tout, ils sortent. Et chacun veut gratter de son côté. Parce que aussi, ce métier-là nous apprend le tact de prendre en considération certaines situations. Eh bien, nous, qui avons grandi dans des villes modernes, dans la modernité, on n'a pas cette patience-là. Et c'est dommage d'ailleurs. Et subhanallah, une chose qui serait bien de faire, c'est lorsque vous allez dans un pays musulman, par exemple, c'est d'aller à la campagne. Même ici, en Belgique, il y a des campagnes ici aussi. Allez voir les paysans, comment ils vivent. Subhanallah, vous trouvez le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare des bottes en caoutchouc, une veste adéquate. Il suffit qu'il entre dans la ferme où il y a comme des excréments par terre de vaches, de moutons. À peine que ça touche ses vêtements, il panique, ça y est, il perd les pédales. Ils se sentent sales, etc. Mais ces gens-là, ils vivent dedans matin et soir. Ils sont habitués à ces choses-là. Toi, monsieur propre, comment on va t'appeler? On va t'appeler monsieur propre. Pour la moindre petite égratignure, tu vas commencer à paniquer. C'est ça le drame. Alors, ce genre de métier-là nous apprend l'humilité et la modestie. Et c'était le cas de tous les prophètes qui l'ont précédé. Aussi, ce métier lui apprenait au prophète sallam l'autonomie. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur un phénomène désastreux qu'il y a dans notre communauté, nos familles et nos sociétés. Les facilités que nos jeunes ont aujourd'hui ne leur rendent pas beaucoup service. Chômage, CPS, allocation familiale, bourse d'études. Wallahi, ça ne leur rend pas, ça ne leur rend pas service. Mais vraiment pas. À peine qu'ils franchissent 17, 18, 19 ans, les cornes commencent à pousser. Ils n'écoutent plus personne. Et de surcroît ses parents. Il n'y a pas longtemps, il y a une mère qui se plaignait et qui disait,
Mon fils, il a 20 ans. Il ne travaille pas. Il ne va plus à l'école. Toute la matinée, il dort. Et lorsque sa mère veut faire respecter le couvre-feu à la maison, veut faire respecter le règlement de la famille, à savoir, tu sors, tu rentres à telle heure, il se rebelle. Il dit, moi j'ai 20 ans. Et quoi? Et après, qu'est-ce qu'il y a, tu as 20 ans? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui a changé? Et après? Et c'est quoi la suite, tu as 20 ans? Qu'est-ce que tu fais? J'ai 20 ans. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Et il a même dit, osé dire à ses parents, vous avez une mentalité d'arriéré. Je suis libre, je fais ce que je veux. Alors, je disais à cette mère, réponds à ton fils, dis-lui, que s'il aime bien clamer au effort qu'il a 20 ans, mais qu'il aille travailler, qu'il retrousse ses manches et qu'il aille travailler comme tout le monde. Au lieu de dormir à la maison, que sa mère lave ses vêtements, lui prépare à manger, etc., et que monsieur dort, et qu'après, quand on lui demande de s'inquiéter de ses responsabilités, il crie au effort, j'ai 20 ans. T'as 20 ans? Eh bien, assume tes responsabilités. Va travailler. Et ça, de nouveau, c'est le problème aussi qu'on retrouve dans beaucoup de nos familles. On ne prépare pas, mais vraiment pas, les jeunes à assumer leurs responsabilités, sans parler des facilités, que ce soit chômage, CPS, où l'argent est trop facilement acquis. Le jeune ne fait plus rien. Il peut se permettre tout, avec beaucoup de facilité. Alors regardez ici, on a un très bon exemple d'un jeune homme grandissant qui a retroussé ses manches et qui s'est mis au travail. Eh bien, c'est ça qu'on veut de nos jeunes. Tu ne peux pas faire tes études. Tu te sens plus à la hauteur de tes études. Il n'y a pas de problème. Mais va travailler. Cherche du travail. Elle m'a dormir à la maison et dire après, je ne trouve pas de travail. Ben, c'est clair qu'on ne va pas venir frapper à ta porte et te remettre un contrat en te disant, voilà, vous pouvez venir travailler. Celui, comme le dit l'expression, qui ne tente rien n'a rien. Et une expression en arabe dit, man jadda wajad ou man zara'a hasad. Celui qui fait l'effort trouvera, et celui qui sème les graines récoltera. Alors j'appelle ici mes jeunes, et surtout les frères, les jeunes garçons, à faire attention à ce détail-là. On ne peut pas vivre éternellement sur le dos de ses parents. Les parents aussi ont besoin de vous. En fait, maintenant, avec l'âge avancé des parents, les parents veulent reposer sur vous, pas l'inverse. Ils veulent reposer sur vous, que vous puissiez les aider, tout comme ils se sont occupés de vous durant toutes ces années. Donc, il y a une très grande leçon ici pour nos jeunes qui sont malheureusement qui vivent plutôt dans la paresse et la fainéantise. Et après cela, ils disent haut et fort, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, j'ai 25 ans. Ben, t'as 20 ans, va travailler. Tu as 25 ans, va travailler. Bouge. Reste pas dans un coin, et puis après, parce que crier haut et fort, aboyer, tout le monde sait aboyer. Tout le monde sait hurler. Mais c'est pas ça qui change une situation. Ce qui fait de toi un homme, c'est vraiment ta responsabilité. Le fait que tu les assumes pleinement. Pas que tu dis j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, que tu fous rien. Alors j'espère, Inch'Allah, que le message est passé auprès de nos jeunes, Inch'Allah. Nous allons terminer un dernier point, Inch'Allah. Le prophète Mohammed sallam sera témoin d'événements importants durant sa jeunesse. Il va être témoin de certains événements. Il va même y participer, d'ailleurs. Ces événements ne le laisseront pas insensible. Et je peux d'ailleurs vous citer deux événements particulièrement. Le premier événement, c'est ce qu'on appelle le pacte d'Al-Fudoul. Le pacte d'Al-Fudoul, c'est un pacte chevaleresque. Plusieurs représentants de clans familiaux de Quraysh vont se réunir dans la maison d'un homme qui s'appelle Abdullah ibn Judan. Et Muhammad, jeune homme, était présent. Il était là, il était avec eux. Ils vont se mettre d'accord entre eux. Ils vont décider ensemble qu'à partir de maintenant, nous allons restituer, nous allons aider l'opprimé, l'agressé, nous allons l'aider à ce qu'il récupère ses droits. Et plus jamais, l'injuste, l'oppresseur, n'aura de primauté
fini les facilités. Maintenant, les plus faibles, nous allons tout faire pour leur remettre leur droit qui leur revient. Et Mohammed dit d'ailleurs par rapport à ce qu'il dit, il dit, j'étais témoin dans la maison d'Abdullah ibn Judan d'un pacte. Et faites attention à la suite. Si on m'y invite durant la période de l'islam, j'y répondrai. Ils se sont alliés. Ça c'est le narrateur, c'est pas le prophète qui parle ici. Ils se sont alliés à restituer les dûs, al-fudul, à leur ayant droit, et que l'injuste ne pourra plus avoir la primauté par rapport aux plus faibles. Donc ce pacte d'ordre chevaleresque a été conclu entre les clans suivants. Je vous les cite. Banu Hashim était là, la famille du prophète. Banu Umayya, où c'est un clan fameux et très important. Abu Sufyan en fait partie d'ailleurs. Banu Zahra aussi. Et Banu Makhzoum. Ces différents clans familiaux Qurayshites avaient leur représentant dans la maison d'Abdullah ibn Judan qui était un homme très respecté. Ils se sont mis d'accord entre eux. Ils se sont mis d'accord qu'à partir de maintenant, nous allons tout faire pour faire triompher la justice sociale, défendre les plus faibles, les plus démunis. Et si ils sont lésés dans leurs droits, faire en sorte qu'ils aient droit de cité, et puisque c'est là que leur dû leur revienne directement. Donc on voit ici, chers frères et sœurs, à quel point, et à une époque très précoce, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'intéressait, en tant que jeune homme, il s'intéressait aux questions sociales de sa cité, de sa ville, de son pays. Ce n'était pas un jeune qui vivait en marge de la société, qui ne s'intéressait à rien comme les gens d'aujourd'hui, sans bien sûr généraliser. Il suivait de près l'actualité de sa ville. Il prenait parti aussi pour ce qu'il estimait être juste. La preuve, il était présent dans cette assemblée qui a contracté ce pacte de soutien, ce pacte qui établit la justice donc sociale. Et lorsque le prophète sallam dit, si on m'y invite durant la période de l'islam, j'y répondrai, il y a une très grande leçon pour nous. C'est que le musulman prête toujours main forte à toute cause juste, même si celle-ci est défendue par des non-musulmans. Un non-musulman qui est victime d'une injustice, eh bien toi en tant que musulman, tu dois le défendre. Et pas dire, ben, c'est bien fait pour lui, il a qu'à encore se noyer encore plus. Tu dois le défendre. Toute cause dans la société juste, qui rend justice, les musulmans doivent y joindre leur voix. Et malheureusement, dans nos sociétés maintenant, même ici et ailleurs, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de questions qui sont soulevées. Et on n'entend pas une voix de la part des musulmans. On dirait qu'ils sont absents, qu'ils n'existent pas. Et ça, c'est très dommage. Regardez ici le prophète, ils sont polythéistes. Et il dit, si durant la période de l'islam, on m'y invite, ces mêmes gens m'y invitent, j'y participerai. Je répondrai à leur appel. Et j'apporterai mon soutien et mon appui pour toute cause qui rend justice à n'importe quelle personne, qu'elle soit musulmane ou non. Et il y a bien sûr, il y a une très grande leçon d'humanisme que devraient méditer ceux et celles parmi nous qui quelquefois peuvent avoir une vision un peu aiguë ou plutôt étroite des choses. Deuxième événement important, c'est la participation à la reconstruction de la Kaaba. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va participer en tant que jeune homme à la reconstruction de la Kaaba. La Kaaba qui avait été incendiée, ou plutôt qui avait été prise par le feu, un feu ardent qui a détruit certains de ses murs et qui l'a détérioré fortement, eh bien, les chefs Quraïchites décident de renouveler le temple. Une fois de plus, Mohammed n'est pas un marginal. Il est là, au cœur de l'actualité, au cœur de la société, et il intervient. Il va participer avec eux, avec son oncle, non pas Abu Talib, mais Al-Abbas. Il a un autre oncle. Al-Abbas qui est le père de cet éminent compagnon, Abdullah ibn Abbas. Et Al-Abbas, il verra Mohammed, jeune homme, porter les pierres. Et il avait une longue tunique, le prophète. Il avait donc son fameux izar, c'est la tunique d'en bas qui était longue. Alors Al-Abbas lui dit, écoute, pourquoi tu ne lèves pas ta tunique à l'autour de tes épaules, tu l'attaches, comme ça tu ne vas pas trébucher en portant les pierres, tu risques de te faire mal. Et subhanallah, c'est rapporté par Al-Bukhari, regardez ce qui va se passer.
il va lever. Et au moment où il le lève, on a fait voir sa nudité. Il tombe évanoui. Le prophète sallam tombe évanoui. Et plus jamais, on l'a vu dans cet état, plus jamais. Et ça, c'est une grande leçon, une très très grande leçon. Tous les prophètes et messagers veillaient à une qualité morale fondamentale qui est abandonnée aujourd'hui. C'est la pudeur, al-haya. Et la décence, al-iffa. Moussa alayhi salam, vous savez que dans la législation des tribus d'Israël, Banu Israël, il y a un hadith authentique d'ailleurs en la matière, il était permis aux juifs des tribus d'Israël, Banu Israël, des enfants d'Israël, de prendre le bain ensemble nu, tout le monde nu, tous ensemble. Eh bien ça se faisait, c'était permis dans leur législation à l'époque. Une seule personne ne se joignait pas à eux, Moussa alayhi salam. Il prenait son bain tout seul, loin du regard des autres. Regardez, tous les prophètes et messagers veillaient absolument à la pudeur et le haya. Et d'ailleurs, lorsqu'on a décrit le prophète sallam par rapport à la pudeur qui nous manque aujourd'hui, كان النبي sallam أشد حياء من العذراء في خدرها. Le prophète avait plus de pudeur que la jeune fille non mariée et timide qui est dans sa demeure, qui évite de croiser les regards. Il était plus pudique que ces jeunes femmes-là ou que ces jeunes filles-là. Donc regardez ici, on a cette illustration impressionnante. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cet acte impudique et il s'évanouit comme nous l'avons indiqué et plus jamais il le vit dans cet état. Aussi, par rapport à la construction de la Kaaba, un petit conflit va naître. Donc il les a aidés à construire, mais plus tard, lorsqu'ils vont faire les finitions, il y a un conflit qui va naître entre les clans. Vous savez, les clans de Quraysh, ils revendiquent tous un certain privilège par rapport à la Mecque et par rapport surtout au temple sacré. Qui va placer la pierre noire? C'est un grand problème, ça. Qui? Banu Hashim tout seul? C'est pas possible. Banu Umayya? Banu Zahra? Banu Makhzoum? Non. Ils ont failli se disputer, s'accrocher. Et c'est là que l'un d'entre eux dit, attendez un instant. Le premier venu, le premier arrivé, ou le premier arrivant, nous allons le prendre comme arbitre. C'est lui qui tranchera pour nous. Alors ils attendent. Et qui arrive? Muhammad, il arrive, c'est un jeune homme. Et là, l'un d'entre eux dit, Atakum as-sadiq al-amin. Voilà le véridique, l'homme de confiance, l'intègre qui arrive. Il avait déjà cette réputation à l'époque. Alors, ils lui ont exposé le problème. Et il leur a dit, promenez un drap. Ils ont tous tenu le drap ensemble. Il a dit, mettez tous ensemble la pierre au milieu. Levez le drap. Ils l'ont levé, ils l'ont rapproché, et puis lui, il l'a placé lui-même. Il a mis fin au conflit. Cette stabilité sociale et civile qu'a installée Qusay ibn Kilab a failli voler en éclats à cause de la pierre noire. N'oubliez pas, les Arabes, ils sont presque pas pour rien. À cause de la pierre noire. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que jeune homme qui va venir et qui va éviter ce drame en leur disant, prenez ça ensemble. Et on va la mettre ensemble. Il la placera lui-même d'ailleurs. Et il mettra fin donc au conflit. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'intéressait déjà très très tôt à toutes les questions qui préoccupent les gens de sa cité, ou plutôt sa cité. Il y participait vivement. Il n'était pas à l'écart de la société. Ce n'était pas un X inconnu. Il était connu de par sa réputation, de par son clan familial. Mais plus que cela, il ne s'arrêtait pas au titre. Il participait à tout ce qui pourrait apporter paix et prospérité à sa cité. Et c'est ici que nous arrêtons, chers frères et sœurs. Et inshallah ta'ala, la semaine prochaine, nous allons commencer un nouveau chapitre qui sera consacré à son mariage avec la plus noble des femmes, la plus vertueuse des femmes, Khadija, radiallahu anha, la première femme de l'islam. La première dame de l'islam, Khadija,
radiyallahu anha, et on verra ça inshallah la semaine prochaine. Barakallahu fi nufikum wa jazakumullahu khairan, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au cours d'aujourd'hui. Elles seront les bienvenues. Y a-t-il des questions par rapport au cours d'aujourd'hui? Tout à fait. Quand tu retournes à la version du hadith rapportée par Tirmidhi, tout à la fin tu vas voir, et il fut renvoyé avec Abu Bakr et Bilal. C'est mis dans le hadith même. Donc, concernant le hadith rapporté par Tirmidhi, quant au voyage du prophète sallam adolescent avec son oncle Abu Talib à Bousra en Syrie, et la rencontre avec Bahira, ce récit a été authentifié par les différents savants traditionnalistes dont j'ai cité les noms, mais eux aussi ont contesté la fin. Y a-t-il une autre question par rapport au cours d'aujourd'hui? Donc, une question qui vient donc via Paltalk. Comment les gens, si tu me corriges Mourad, comment les gens donc surnommaient le prophète Hassan, c'est ça, ou l'appelaient? Ben, on l'appelait Mohammed tout simplement. Bien sûr, plus tard, il sera connu par d'autres surnoms, comme par exemple At-Tayyib, comme Al-Qasim aussi, enfin Abul-Qasim plutôt, par rapport à son enfant Al-Qasim qui mourra donc en bas âge. Mais son surnom de renommée au sein de la Mecque, c'était As-Sadiqu Al-Amin. Ça veut tout dire. Ça résume tout. As-Sadiq, le véridique, celui qui ne ment jamais. Et Al-Amin, la personne de confiance. Jamais il te trahira. Tout secret que tu lui confies, toute confidence que tu lui donnes ou que tu lui fais, il ne la trahira jamais. Wallahu a'lam. Voilà, chers frères et sœurs, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, bihawlillah wa quwwatih, mercredi prochain, pour notre prochain cours consacré, je rappelle, à son mariage avec Khadija, radiyallahu anha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.